Bienvenue dans ce tutoriel. On va parler sur le DHCP. Donc, vous avez les commandes là-bas. Ok. Je vais commencer à taper les commandes et les expliquer. Ok. Premièrement, je dois vérifier mon IP adresse. Ok. Là, je peux installer. Ok. Apt install. Et c'est DHCP. Ah, c'est DHCP serveur. Moi, Y, je vous ai dit que quand vous mettez moi, Y, ça veut dire yes directement, vous n'allez pas confirmer. Okay? Voilà. Là, on va télécharger et installer. Okay. Fais une pause. Ok. Ok, je laisse. Voilà. Si j'ai fait système, CTL, je vérifie statut. Mon statut, le statut du serveur, DHCP serveur. Voilà qu'il n'est pas actif. Vous voyez, il dit que faire autant qu'il n'est pas configuré. Okay? Clear. Maintenant, là, je vais vérifier mon changer d'IP adresse. Okay? Je vais changer ici, je vais quitter le NAT parce que le NAT me permet de me connecter sur Internet pour télécharger. Ok. Comme j'ai changé là-bas, je dois aussi changer dans le fichier de l'interface NetPlan. Ok. Je suis là, je vais changer rapidement. Version 2. Là, j'ai dit True No. Non, dans la version 2. Addresses. Ok. Je mets l'adresse. 192.168.1.1. Ctrl X. Yes. Ok. NetPlan. Apply. On m'a dit qu'il y a erreur quelque part là-bas. Ok. Je vais. On dit missing. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Le slash. Ok. Ok, je rappelle la commande. Ok, maintenant il passe. IPA. Voilà, l'IP adresse est changée. Ok. Je vais aller directement dans les fichiers. Soit vous pouvez copier. Ok. Ici, cette commande vous permet juste de dupliquer. Au cas où vous faites des erreurs, vous pouvez toujours reprendre les fichiers de backup. Ok. Donc vous pouvez dupliquer parce que des fois vous pouvez faire des erreurs et vous voulez effacer le fichier, reprendre enfin notre fichier. Okay? Je vais directement aller dans les fichiers de configuration. Nano. Etc. DACP. DACPD.conf. Ok. Dans ces fichiers ici, vous pouvez changer l'option de votre domaine. Okay? On laisse d'abord comme ça. Vous pouvez changer les serveurs, ainsi de suite. Ça dépend de vous, ok. Par exemple, ici vous pouvez mettre le nom de votre serveur, vous pouvez mettre l'IP adresse. On change, on suit, mettons serveur Ubuntu. Ici, l'option domaine, mettons juste l'IP adresse de notre. Si on a un serveur domaine, nous on n'a pas un serveur domaine, je vais mettre juste le 1.2. Ok, ça c'est le temps. Le temps minimal, le temps maximal qu'un PC peut garder l'IP adresse automatique. Okay. Ici, il faut autoriser notre serveur. Okay. Ces fichiers de configuration, vous êtes juste obligé de enlever les dash si vous voulez utiliser. Il est en anglais, vous pouvez toujours le lire. Okay. Je vais utiliser, vous voyez ici, this is a very basic declaration. Okay. Je vais utiliser juste cette déclaration qui est basic. Okay. Ok, quel est le réseau? Vous voyez le fichier de configuration de l'autre côté, 192, 168, 1.0, c'est notre réseau, ok? Et le masque de ce réseau, c'est 2. Voilà. Ok, notre plage, 192, 168, 1 point combien? 100. Je dis de 101 à 100,
168 à 200. OK? Donc ici. Voilà. Ça, c'est le paramètre de notre réseau. OK? Et puis, je vais dire notre routeur. OK? Option routeur. OK? Mettons les 192.168. Vous pouvez laisser ça, il n'y a pas de problème. 192.168.1.2. OK? Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On ne va pas changer l'IP adresse. J'enregistre. Yes. OK? Donc, ce sont les paramètres qu'il faut activer là-bas. OK? Voilà. Je dois faire système CTL star IEC DHCP-serveur. OK? Système CTL statut IEC DHCP-serveur. DHCP, j'oublie toujours DHCP. OK? On dit qu'il run. OK? Il y a la commande DHCPD, DHCPD-T. Je vais vérifier cette commande. Il permet etc DHCP DHCPD.conf. Voilà. Cette commande vérifie si dans votre serveur il y a des erreurs. OK? Ça, c'est les fichiers de conférence. Vérifie si dans votre serveur, il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, il vous les dira à partir d'ici. OK? Par exemple, je vais créer des erreurs. DHCPD.conf. Je vais créer juste des erreurs. Par exemple, ici, j'enlève ça. J'enlève le 8. Je vais dire c'est un réseau qui n'est pas correct, n'est-ce pas? Je dis... Je rappelle la commande, OK, moins T, OK, vous voyez, on m'a dit le range not in subnet 16.00, OK, voilà, je peux rentrer encore dans les fichiers, j'enlève, je remets le 8, OK, donc il faut vous rappeler de cette commande, OK, et puis j'ai fait encore système CTL, IEC DHCP DHCP OK serveur clear OK. Maintenant je dois vérifier, n'est-ce pas, je dois vérifier sur les machines clients. J'ai deux machines clients, je prends Windows 8. OK, mon Windows 8 est là, je vais vérifier les IP adresses. Il faut toujours se rassurer qu'il est dans les réseaux locaux, hein. OK, faut toujours se rassurer, il est dans les réseaux internes. OK, vous voyez, il est dans les réseaux internes. Là, je vais vérifier propriété. L'autre fois, il était dans les dynamiques, n'est-ce pas? Il était dans les statiques. Je vais le mettre dans les dynamiques. OK. Et en attendant, je vais aussi sur le Linux. OK, fermé ici. J'attends IP config. Ah oui, IP config. Voilà, on dit des sensors qu'on n'a pas encore initialisé. On attend. Je vais aussi dans Windows Server. Je vais aussi sur Linux, filaire. Je dois vérifier aussi s'il est dans le corps. OK. Il est aussi dans le nage. Je vais changer là-bas. Automatique. Appliqué. OK. OK. Je vais aller sur le Windows. OK. Le Windows, j'étais obligé un peu de vérifier. IP config, non IP, IP config, ça va prendre un peu du temps, vous voyez, on a changé, OK, ça on est sur 1.0, OK. Je vais sur les Linux, aussi je vérifie l'IP adresse, terminal, OK,
Vous pouvez toujours utiliser la commande que je vous ai donnée, DHCP list, pour voir. Ici, je peux vérifier DHCP list. Voilà. Vous voyez, le PC texte, il a l'IP adresse que vous voyez là-bas, 00 ainsi de suite, 101. On va vérifier maintenant sur Linux, ifconfig. Non, if config ne passe pas, IPA. Ok, 192.168.1.5, il n'a pas encore changé, donc il faut lui donner un peu du. Ok, ce que je fais, c'est juste patienter un peu et j'ai juste désactivé, activé. Ok, j'ai les désactivé, l'activé. Ok. Et là, vous avez l'IP adresse qui est là. Ok. Je peux aussi aller dans mon serveur. Le serveur qui est là, je rappelle la commande. Vous voyez que j'ai maintenant deux IP adresses. Okay. Maintenant, comment changer, attribuer l'IP adresse fixe? Okay. Je vais dans les fichiers. Juste ici, c'est très facile. Vous allez juste ici en bas. Okay. Vous voyez cette partie ici? Vous pouvez changer l'IP adresse. Okay. Donc, je vais activer. Ah, ici c'est pour le file name, je ne veux pas changer, si je veux prendre le plus facile. Ici normalement je prends le plus facile, je prends celui-ci, ok. Le nom de l'host, le MAC adresse et l'IP adresse, ok. Par exemple, je suis sur le Windows, ok, je vais prendre mon Windows, j'ai fait ipconfig/all. Ok, le MAC adresse il est là. Le MAC adresse. Voilà, il est là. Ok, je vais déplacer un peu ici pour que je puisse copier le MAC adresse. Et le nom le nom de l'hôte, vous voyez là-bas, c'est PC test. Ok. Donc je vais sur mon serveur ici. Je dis host. PC test. MAC adresse. 0800027 27, il y a DB 8A 8A et puis j'ai 46. Ok, je donne l'IP adresse à dans le 192.168. 8.1.20. Ok, je donne l'IP adresse fixe. Soit on peut prendre dans le DHCP si on peut lui réserver une IP adresse. 920. Ok, j'enregistre. Système CTL, Rista ISC DHCP serveur. Ok. Voilà, clear. Comme c'est celui-ci, je vais aussi. Il y a la commande pour release et tout là-bas. Mais je vais ipconfig. Ipconfig. Ok. Il y a la commande de release. Ce que je vais faire, je vais juste désactiver, activer mon interface. Mon interface de réseau. Je vais désactiver. Puis je l'active. Ipconfig. Voilà. Vous voyez, maintenant on a du 120. Ok. C'est comme ça que vous pouvez changer. Vous pouvez donner, réserver une IP adresse. Ok. Je crois que j'ai fait bientôt la 15 minutes. Ok. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Merci.